c'est un transfert qui suscite de nombreuses réactions. Ce mercredi 19 juillet, Leafs Lorient annonçait la surprise générale de recrutement de Benjamin Mendy de Leafs Lorient. Est heureux de vous annoncer les signatures pour 2 saisons du latéral gauche international. Français Benjamin Mendy, 29 ans. Cette signature intervient seulement quelques jours après la fin du procès du natif de Longjumeau, qui avait été acquitté de son procès pour des accusations de viol et d'agression sexuelle. Présent en conférence de presse ce vendredi 21 juillet, que rapportait Rennes Sport, Régis Lubrist a exprimé les suites de la signature de Benjamin Mendy. L'entraîneur du FC Lorient a dévoilé les détails des négociations avec le Français. Pour nous, c'est hyper intéressant. Je n'irai pas jusque pas que moindre détail se laisser jouer il y a l'acquittement. Qui est arrivé? Nous étions toujours de recherche à ce poste. Et j'ai eu une rencontre à visio avec lui le week-end pour en jouer contre Concarneau. 2 heures qui m'ont dit pas mal de choses sur la personnalité du joueur. Vanchine est l'entraîneur de Lorient. C'est un personnage comme beaucoup de footballeurs de cette catégorie que vous regardez. Télévision, tu n'avais plus l'occasion de le croiser avant. Le feeling est très vite passé sur la connexion et la compatibilité que l'on peut avoir avec ce qu'il se fait club. Même s'il s'est entretenu pendant ces 2 années, ce n'est pas la même chose que d'être sur un terrain de football et de répéter des efforts haute intensité. Ces sujets ont été traités et les positions pour les joueurs restent les mêmes. On doit toujours conquérir notre public, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'acquis. Quand on démarre cette nouvelle saison, ce qui veut susciter l'adhésion et l'enthousiasme, notre popularité et la présence aux masses du public, c'est parce que l'on veut être performant. Parce que l'on veut avoir nos valeurs d'intensité et d'engagement. D'équipe et parce que l'on veut pratiquer un bon football et gagner nos matchs. L'enjeu principal est autour de les performances. Bien sûr que l'on ne peut plus empêcher les aveux parfois de prononcer sous le coup de l'émotion. Et puis il y a des pour et des contre. Mais ce qui permet de faire la synthèse, c'est les performances. Et le comportement sur un terrain. Le comportement dans un club et vis-à-vis des supporters doit se remettre en question. En permanence et surtout début de saison. Je crois que l'on est capable de le faire, l'arrivée de Benjamin Mendy interroge également, puisque le Français partage le même agent que Régis Lubrist. Interrogé sur ce point, l'entraîneur des Merlus écarté tout arrangement le fait d'avoir le même agent ne participe pas au processus de recrutement mais cela crée des conditions de les rencontres. Cela peut être utile, mais c'est assez rare. Il y a quelques joueurs avec lesquels on peut rentrer en contact plus facilement de cette manière-là. Mais faire rencontre n'est peut-être que celle d'un joueur avec un que celle d'un joueur avec un staff. Et celle-là doit s'opérer après le potelage en être sur place dans ce moment-là. Mais je ne peux pas nier que cela ait un avantage pour favoriser les rencontres. Ensuite, il y a la motivation de chacun et la compatibilité qui font la différence.